la beauté de son père Zeinab. Fruit de cette union célébrée dans le voisinage des anges et des étoiles, cet esprit de Fatima a vécu les premières années de la vie dans le giron d'Al-Mustafa. Le va-et-vient continuel des messagers célestes, un père doux et tendre, ainsi que deux frères majestueux comme les piliers du trône. Il lui arrivait de se reposer dans ce fameux manteau qui scintillait encore depuis la sainte révélation. La beauté de son père à la splendeur sans commune mesure s'est installée un jour sur les bancs de la calamité. Lorsqu'elle a vu sa mère Fatima rire et pleurer dans les bras de Mohammed, elle n'avait jamais vu son père le dos courbé en dehors de la prière. Mais à la mort de l'élu, l'imam Ali s'était incliné de tristesse. Dans cette demeure prophétique, devant la silhouette de sa mère, elle entendit le fracas d'une porte, suivi du fracas d'une autre chose comme une côte qui cède devant la faute irréparable. Elle n'avait plus de mère et elle était trop petite pour être la mère de son père qui fut pour elle père et mère. Elle suivait les pas de Hassan et de Hussein et eux, à leur tour, ne la quittaient pas des yeux et dans chacun de leurs regards, il y avait Mohammed et Fatima. Puis, un jour, durant le mois de Ramadan, elle avait accompagné au seuil de la porte ce serviteur de Dieu qui devait s'en aller. Quelques instants plus tard, elle vit la porte de la connaissance tachée de sang et son cœur en morceaux récitait en psalmodiant. La déchirure intérieure des saints est le dessein de Dieu. Mais quel secret intérieur a permis à Zeinab de rester vivante quand Al-Hassan rejetait le sang de son foie à l'extérieur? Tout ce qui est descendu de sacré alors prit refuge dans le cœur de Hussein. Ô mère des calamités, ô sainte dame Zeinab, parle-nous de Karbala et du Sayyid abandonné, seul à Nainawa, Abul Fadl Qasim, Ali Akbar Aoun et Muhammad, assassiné sous les yeux de Zeinab. Ô sainte dame, cette corde qui vous lie à Zain al-Abidine sur la route de Damas ne cesse de nous ébranler sur le chemin de Karbala. Qui d'autre que vous, ô fille de Muhammad, pouvait tenir ce discours devant ce vil, fils des villes, dans cette mosquée tachée de sang à côté du tombeau de Yahya? Rien ni personne n'effacera votre souvenir, et nous n'avons trouvé de sens à la vie que dans ce souvenir. Que soit sur vous la paix, ô sainte dame Zeinab. Il y a encore ici des gens que Dieu a honorés par les lumières de la foi et qui versent des larmes sur Jafar al-Amin, empoisonné par les ennemis de Dieu sous le ciel de Médine. Votre lumière est de celles qui ne s'éteignent pas, ô sainte dame Zeinab. Il y a encore parmi les croyants des hommes qui perpétuent votre souvenir par des actes de foi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.